Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais après un long séjour passé en ville, je ressens toujours le besoin de me retrouver à la campagne, ici en pleine nature. Cette nature qui est source d'inspiration pour plusieurs, elle l'était justement à l'aube du XXe siècle, lorsque des artistes de Nancy se sont inspirés de formes végétales et animales pour créer des œuvres fantastiques à découvrir au musée de l'école de Nancy. Le musée de l'école de Nancy est unique en France. Il est, à ma connaissance, le seul musée entièrement consacré à l'art nouveau. Vous y découvrirez des œuvres originales d'art nouveau de l'école de Nancy. Mais alors, qu'est-ce que l'école de Nancy? Eh bien, il ne s'agit pas d'un établissement scolaire ni d'une prestigieuse faculté ou institution. Il s'agit tout simplement d'une association créée en 1901 par des artistes de Nancy, l'Alliance provinciale des industries d'art, dont le but recherché était de favoriser la renaissance et le développement des métiers d'art en province. Ainsi, dans les années 1900, Nancy est devenu le fer de lance de l'art nouveau en France grâce à ses artistes mondialement connus, Émile Gallet, Victor Prouvé, Louis Majorelle ou encore Jacques Gruber, pour n'en citer que quelques-uns. Dans le musée de l'école de Nancy, vous découvrirez plusieurs collections issues de plusieurs corps de métier, du mobilier, du verre, des sculptures, des peintures, du cuir, du textile et des bijoux. Pour en savoir plus sur le musée de l'école de Nancy, cliquez sur le lien ci-dessous qui vous renverra vers le blog avec des informations et des photos de ma dernière visite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cliquez sur j'aime si vous l'avez apprécié et à très bientôt sur le blog Mon Grand Est.